Voilà, ça y est, on a décidé de faire notre première sortie donc aux grottes des Canelettes. Donc ça a l'air vraiment joli. Après avoir visité donc à peu près une heure environ, eh bien on a un joli spectacle qui est gratuit une fois avoir payé l'entrée de 10 €. Et donc en fait il crée une ambiance avec des lumières, avec des vidéoprojecteurs. Donc voilà, donc ça a l'air super sympa. Je suis toute décoiffée parce que j'ai pas enlevé mes tresses d'hier, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc direction les grottes des Canelettes. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Une petite partie de la grotte où il y a un peu plus de lumière, où on peut prendre une vidéo, sinon le reste ça fait tout noir.
y est, on a fini la grotte. Mais alors franchement, temps de merde. Après, la vache, comme il pleut. On est passé entre les gouttes, on a couru et là, après, la pluie nous a rattrapés. Waouh. C'est vraiment un temps de merde aujourd'hui. J'espère que pour demain, notre deuxième journée de vacances sera mieux que ça, avec plein de soleil pour y faire une petite randonnée. Après un orage, c'est tout autant magnifique. Ah non, mais les Pyrénées, c'est juste... Waouh. Les montagnes en général. Non, mais regardez ça. Bon, il y a aussi le pare-brise qui exhale. Mais... ah, c'est magnifique. Merci, mon chéri. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Oui. Maintenant, on a un peu de produits en plus. On a un peu de produits en plus. Oh là 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 là. Ouais. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Wakoyon, que c'est beau, hein. On voit pas trop bien, on voit pas trop bien, mais quand même c'est beau, hein. Un beau petit village sur Villefrance. Le ch'ti musée de la presse. Et on n'est pas dans le nord, là. Avec la montagne, vous voyez là-bas. Waouh. Magique. Et bien entendu, un apiculteur. C'est parti. Et voilà, on a rencontré deux apiculteurs super sympas. Super. Et on va pouvoir retourner à la maison. Il goûte un peu, mais ça va, il pleut plus beaucoup. C'est parti.